Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La chaîne de télévision chrétienne, la révélation de Jésus-Christ, est dans la joie de vous accueillir chacun au milieu de nous à travers cette vidéo de confession de notre foi pour vous permettre de savoir ce que nous sommes dans la foi. Ainsi, nous allons répondre à ces trois questions qui peuvent nous être posées. Premièrement, qui sommes-nous? Deuxièmement, pourquoi cette chaîne de télévision chrétienne se nomme-t-elle la révélation de Jésus-Christ? Troisièmement, alors, quelle est donc notre mission? Sans plus tarder, nous allons répondre à ces questions qui vous indiqueront ce que nous sommes dans la foi. Qui sommes-nous? Tous les bien-aimés de la chaîne de télévision chrétienne, la révélation de Jésus-Christ, sont tous des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, comme vous, nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions le Père au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons donné notre vie, car nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est un avec le Père, Dieu. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le Fils demeure dans le Père et que le Père demeure aussi dans le Fils. La Bible dit, dans le livre de Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Nous croyons à l'existence du Père et du Fils. Et nous croyons que le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et celui du Fils. Nous croyons que le Père est plus grand que le Fils. Nous croyons que Jésus-Christ est l'image visible du Père qui est invisible. Nous croyons que le Fils est soumis au Père. Nous croyons que le Père ne juge personne et qu'il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Nous pratiquons le baptême d'eau par immersion et croyons au baptême du Saint-Esprit et de feu, selon l'ordre du Seigneur. Nous pratiquons le repas du Seigneur, appelé aussi la Sainte Cène, selon l'ordre du Seigneur. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ de la même façon que nous adorons son Père, qui est notre Père, selon l'ordre que le Père a donné aux anges. Nous croyons que les anges adorent le Père
et le Fils de la même façon, et nous faisons pareil aussi. Nous n'adorons pas les anges, et nous ne nous prosternons que devant le Père et le Fils Dieu. Nous ne nous prosternons pas devant les hommes, ni devant les anges, qui sont tous des créatures. Nous croyons à l'autorité établie par Dieu. Le Père, l'autorité du Fils, qui est l'autorité de l'homme, qui est l'autorité de la femme. Nous croyons que les femmes doivent se couvrir les cheveux avant de prier ou de prophétiser, et que les hommes ne doivent pas au contraire couvrir leur tête dans ces deux cas. Nous ne célébrons pas Noël, qui n'est pas une fête demandée par le Seigneur. Tout ce qui est mis autour de cette fête, le Père Noël, les sapins, le lutin, les cadeaux, etc., n'ont rien à voir avec la venue sérieuse du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous croyons au Nouveau Testament et pratiquons la parole de Dieu qui s'y trouve. L'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses qui sont venues à travers le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les sacerdoces étant changés, nous croyons qu'il y a eu effectivement un changement des lois. Nous ne pratiquons donc pas tout ce qui relève de la loi de Moïse, y compris les dîmes. Le Seigneur ayant regroupé les 10 commandements en seulement 2, nous les pratiquons sans négliger la loi royale et la loi des libertés. Nous ne vendons pas les choses du Seigneur. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Nous travaillons de nos propres mains et donnons avec libéralité dans l'œuvre de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 8. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, et que nous régnerons avec lui sur la terre quand il reviendra bientôt. Nous attendons la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et aussi nous croyons que nous verrons la face de Dieu.
Enfin, nous espérons en ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Je cite. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Pourquoi notre chaîne se nomme-t-elle la révélation de Jésus-Christ? C'est parce que cela est notre mission, de mettre en avant, premièrement, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a révélé sur lui-même et sur le Père. Lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 1 au verset 4. La Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Deuxièmement, nous avons aussi pour mission de mettre en avant la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Pourquoi? Afin de tenir en éveil les enfants de Dieu. Nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de partager ces choses avec tous les bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez retrouver facilement nos messages sur YouTube, vous pouvez taper sur le moteur de recherche CTVC, la révélation de Jésus-Christ. Vous verrez ainsi apparaître les vidéos de notre chaîne et vous pourrez choisir la chaîne CTVC en français ou soit en lingala pour ceux qui comprennent cette langue. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement en cliquant ici, afin de recevoir automatiquement un signal d'alerte vous indiquant la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime afin que YouTube puisse proposer aussi cette vidéo aux personnes qui ne l'ont pas encore suivie. Vous contribuerez ainsi vous aussi à l'évangélisation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu dans le but d'obtenir de l'argent. Nous donnons gratuitement car nous suivons ce qu'a dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 8, qui dit ceci. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Ainsi, la chaîne de la télévision chrétienne, connue sous le nom de CTVC, La Révélation de Jésus-Christ, dans YouTube, vous dit « Jésus-Christ vous aime ! À bientôt !»